So we are passing to examination of the proposal to the Register of the Best Safeguarding Practices, document ITH13.8.7B. Ladies and gentlemen, as announced yesterday, I will give floor to Mr. Bois to present the second part of the report to the consultative body on issues specific to the both of the Register of Best Safeguarding Practice and to international assistance, so at the same time, followed by the brief discussion of those issues and the debate and adoption of the individual draft decision. So, Mr. Bois, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc vous présenter la dernière partie de mon rapport sur notre évaluation des deux propositions pour le registre des meilleures pratiques de sauvegarde et de l'unique demande d'assistance internationale qui nous soit parvenue devant l'organe consultatif. L'organe consultatif ne peut que saluer la décision des deux États parties qui ont accordé la priorité à leur proposition au registre des meilleures pratiques de sauvegarde et regretter qu'un plus grand nombre de propositions n'aient pas été soumises au cours de ce cycle. L'organe souhaite rappeler qu'il n'est pas chargé d'évaluer un programme en tant que bonne pratique, mais en tant que meilleure pratique, c'est-à-dire une pratique exemplaire, susceptible d'inspirer d'autres communautés et d'autres États parties. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais procéder critère par critère, bien que pour ce mécanisme, contrairement à la liste de sauvegarde urgente, ils ne soient pas tous obligatoires. Pour le critère P1, les membres de l'organe ont estimé qu'il s'agissait avant tout d'évaluer si l'objectif premier et principal du programme proposé était bel et bien d'assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné. Comme pour les autres mécanismes, la participation des communautés est abordée spécifiquement dans un critère P5. Cette participation doit cependant être reconnaissable dans toutes les parties du dossier. Et pour cela, il est indispensable que les communautés concernées soient clairement identifiées et qu'elles soient les auteurs et les bénéficiaires principaux des mesures de sauvegarde développées par le programme. En général, pour tous les critères, l'organe a cherché des explications argumentées et convaincantes. Dans le cas du critère P2, nous ne nous sommes pas contentés de signes d'une coordination au niveau régional, sous-régional et ou international, mais nous avons plutôt cherché à déterminer si une telle coordination relevait d'actions isolées ou constituait au contraire une partie essentielle d'efforts de sauvegarde soutenus au-delà du strict champ d'action du programme proposé. De même pour le critère P3, nous avons estimé qu'il n'était pas suffisant de reprendre la liste, par ailleurs non exhaustive, des mesures de sauvegarde proposées à l'article 2.3 de la Convention, mais qu'il s'agissait plutôt de reconnaître dans la description du programme les principes et les objectifs de la Convention, notamment en ce qui concerne la participation active des communautés détentrices du patrimoine culturel immatériel que le programme vise à sauvegarder. Outre la nécessité pour le programme d'avoir atteint un certain degré de maturité afin de pouvoir évaluer les critères P4 et P8, il est évident que si un État soumet une proposition de programme, c'est qu'il est convaincu de son efficacité. Cependant, pour que l'organe et le comité puissent partager une telle conviction, ils auraient besoin de s'appuyer sur une évaluation externe et indépendante plutôt que sur une auto-évaluation inévitablement positive. Le critère P6 est celui qui doit permettre d'évaluer l'exemplarité du programme proposé. Il est donc indispensable que la proposition contienne suffisamment d'informations en quantité et en détail, sur sa méthodologie, sur ses résultats, pour que l'on puisse juger de son potentiel pour servir de modèle sous-régional, régional ou international. S'agissant du critère P9, bien qu'il soit difficile de s'accorder sur ce que sont les besoins particuliers des pays en développement, nous avons convenu qu'il était important que la proposition contienne suffisamment d'informations
sur la manière dont les méthodologies de sauvegarde mises en avant par un programme donné pourraient être transposées dans différents contextes et répondre ainsi aux besoins spécifiques d'autres communautés, d'autres États, en particulier des pays en développement. De manière générale, les meilleures pratiques de sauvegarde pourraient servir de modèle dans des processus de développement plus vastes. En ce sens, plus ces propositions apporteront des preuves de l'efficacité de certaines méthodes et approches de la sauvegarde, plus les décideurs politiques intégreront la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans d'autres domaines que la culture. Les leçons à tirer sur l'assistance internationale sont encore plus difficiles puisque nous n'avons malheureusement examiné qu'une seule demande. En effet, parmi les 5 demandes d'assistance internationale traitées pour le cycle 2013, une seule a été transmise pour évaluation à l'organe consultatif, les autres n'ayant pas été complétées à temps suite aux lettres d'information complémentaires envoyées par le secrétariat. Il est en effet utile de rappeler ici que seules les demandes d'assistance internationale ont fait l'objet d'une évaluation approfondie de la part du secrétariat et ont donc bénéficié de ses orientations dans le processus de révision. Ceci s'explique par la spécificité de ce mécanisme qui fait qu'une décision favorable du comité conduit à l'établissement d'une relation contractuelle entre l'UNESCO et l'organisme que l'État partie demandeur désigne comme responsable de la mise en œuvre du projet. Du fait donc de ces implications financières et légales, le processus de préparation et d'évaluation des demandes d'assistance internationale est plus complexe que celui des candidatures aux autres mécanismes. L'organe consultatif ne peut donc que regretter le faible nombre de demandes qui lui parviennent pour évaluation. Il tient pourtant à souligner que c'est ce mécanisme, et non pas les listes, qui est sans doute le mieux à même d'accompagner la mise en œuvre d'efforts de sauvegarde sur le terrain. Comme je le mentionnais dans mes remarques sur les candidatures à la liste de sauvegarde urgente, un certain nombre de ces candidatures présument à tort que l'inscription d'un élément sur cette liste entraîne automatiquement le financement du plan de sauvegarde proposé dans le dossier. C'est ce constat qui a mené à la proposition de mettre en place à titre expérimental un nouveau formulaire combiné de candidatures ICH01 et de demandes d'assistance ICH04. Cycle après cycle, les États rencontrent une série de problèmes conceptuels et techniques pour formuler des demandes rigoureuses et bien structurées, des demandes aptes à répondre aux critères définis dans les directives opérationnelles et aux règlements financiers et administratifs de l'UNESCO. L'organe consultatif est persuadé qu'à moyen et à long terme, la stratégie globale de renforcement des capacités de la Convention se révélera de plus en plus efficace, mais il suggère une mesure à plus brève échéance, qui rejoint d'ailleurs, je crois, une proposition formulée par le Brésil en ce qui concerne les amendements sur le dossier de liste de sauvegarde urgente de l'Ouganda. Comme formulé au paragraphe 5 du projet de décision 8.7c, le comité pourrait envisager de trouver un moyen d'offrir une assistance technique aux États parties dans la préparation des demandes d'assistance internationale. Sur la base d'une brève note de présentation décrivant le projet pour lequel l'État partie a l'intention de faire appel à l'assistance internationale, le secrétariat pourrait peut-être fournir des experts afin d'aider l'État à développer ses idées, ses besoins, sous la forme d'une demande en bonne et due forme. Revenant à la seule et unique demande soumise pour évaluation au cours de ce cycle, l'organe consultatif souhaite rappeler que les critères pour l'assistance internationale n'étant pas tous obligatoires, la recommandation générale d'approuver ou de ne pas approuver est donc fondée sur la capacité de la demande à répondre aux critères dans leur ensemble. Il est difficile de tirer des conclusions générales sur la base de la seule demande d'assistance qui a été évaluée. Nous nous sommes donc limités à 2 remarques. D'une part, à rappeler l'importance cruciale de la cohérence et de l'uniformité entre les objectifs désignés, les résultats escomptés et les activités proposées, et qu'il ne suffit pas de les paraphraser réciproquement. Ceci implique de concevoir clairement une séquence où objectifs et résultats
occupent des positions distinctes pour que l'on puisse évaluer si les activités proposées sont susceptibles d'atteindre les résultats escomptés dans le délai prévu. D'autre part, l'organe met à nouveau en garde contre la tendance à concevoir le renforcement des capacités auxquelles l'assistance doit contribuer comme étant institutionnelle essentiellement, au détriment du renforcement des capacités des communautés à pratiquer leur patrimoine culturel et matériel. Par là, Monsieur le Président, je conclus le dernier de mes 4 rapports sur le travail accompli cette année par l'organe consultatif. Je vous remercie, ainsi que les membres du comité, de votre attention. Thank you very much for your concise and useful overview of the body's work concerning the 2 proposals for the Register of Best Safeguarding Practices and the International Assistance Request. Are there any committee members who wish to address the general issues raised by rapporteur in his report? Latvia. Thank you, Mr. Chairman. Latvia would like to support the general concern expressed by the consultative body on the limited number of proposals to the Register of Best Practices. Meanwhile, we also respect the position of the consultative body to recommend selecting proposals if they are presented in a truly convincing manner. However, we would consider with caution the suggestion that an external evaluation would be more compelling than a self-evaluation. To our understanding and reading of the Convention, as intangible cultural heritage is being recognized by communities, groups and individuals as part of their cultural heritage, in a similar manner, there should be a more general trust that the demonstrated effectiveness in contributing to the viability of the intangible cultural heritage concerned is also evaluated by the communities, groups and individuals themselves, as they should have the best understanding what is effective to the viability of their intangible cultural heritage. On the other hand, these considerations can be understood and accepted for the Register of Best Safeguarding Practices, as these are the ones to serve as an example for other communities, groups and individuals or states. However, we should be attentive so that this practice of external evaluation or independent assessment to be provided within proposals is not transposed to other mechanisms of the Convention, namely the nominations. Finally, we would like to welcome the encouragement for qualitative and quantitative research on the experience accumulated by the several programs, projects and activities already selected by the Committee for the Register of Best Safeguarding Practices. To our mind, this would allow to draw conclusions on a longer-term basis and bring the attention to the importance of this analysis of the experiences obtained on the implementation of the Convention. Thank you. Thank you. I don't see any other comments. So let us keep in mind these comments when we adopt the overall decision at the end of this item. So now we can proceed with the examination of the 2 individual proposals following the method we used for examining the submissions to the urgent safeguarding list, so the same system. Our task here is to select this proposal, those proposals that best safety satisfy the criteria as laid out in section 1.3 of the operational directives, drawing upon the recommendations submitted to us by the consultative body. Before I ask the chairperson of the consultative body to present the 2 draft decisions, may I remind members of the committee that those criteria can be found in paragraph 7 of the operational directives and that a file does not necessarily have to satisfy all of the criteria, but that we are to choose those proposals that best reflect the criteria globally. So, you have on the screen, as was the case for the inscription of the list, the submitting state will be given the floor for 2 minutes to make its remarks, should it so wish, and after the committee has taken its decision on the proposal from that state. So, we will give opportunity to express their opinion. And now let me ask again Madame Angui to
present the draft decision. Please. Merci, Monsieur le Président. La première proposition a été soumise par l'Égypte sous le titre « La documentation du patrimoine immatériel de la Nubie égyptienne » qui correspond effectivement à la décision 7B.com. Fruit d'une initiative collective du Public Nubian Club et du Centre pour la documentation du patrimoine culturel et naturel, ce projet vise à documenter et sauvegarder le patrimoine immatériel de la communauté indigène des Nubiens d'Égypte. Ils forment de jeunes Nubiens à la collecte, à la documentation et à la numérisation de leur riche et remarquable patrimoine pour le diffuser et ainsi le revitaliser et l'entretenir. À l'avenir, il aura pour objectif de créer un centre de formation professionnelle et culturelle pour promouvoir la culture nubienne et former les jeunes au savoir-faire traditionnel. Monsieur le Président, les membres de l'organe ont considéré que, dans l'ensemble, le dossier fournit suffisamment d'informations démontrant que la préservation du patrimoine culturel immatériel des Nubiens est au cœur de ce programme qui met l'accent sur la formation des jeunes à la documentation de leur patrimoine. L'organe consultatif a bien pris note que l'un des principaux responsables de la mise en œuvre de ce programme, le groupe des populations nubiennes, a signé un accord de coopération avec une ONG soudanaise représentant les Nubiens au Soudan. Cependant, il a semblé à l'organe qu'il était prématuré de considérer qu'il y avait bel et bien une contribution à la coordination des efforts de sauvegarde au niveau sous-régional, car les informations fournies restent au stade de déclaration d'intention et ne font état d'aucun résultat concret que l'organe aurait pu évaluer. On peut trouver dans le dossier des éléments qui rentrent naturellement dans le cadre de la Convention, tels que le rôle des jeunes Nubiens dans la définition de leur patrimoine culturel immatériel. Néanmoins, les membres de l'organe ont remarqué que dans la partie du formulaire qui est précisément dédiée à la démonstration de ce critère P3, l'État non seulement n'a pas profité de tout l'espace laissé dans le formulaire, mais n'a pas démontré comment les activités du programme reflètent de manière spécifique et concrète les principes de la Convention. En revanche, il s'est plutôt contenté de considérations d'ordre très général, voire de recopier des articles de la Convention. Pour démontrer l'efficacité du programme sur la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné, le dossier cite ce qu'il considère comme deux exemples de réussite. Le tissage d'un lien entre les anciennes générations et les nouvelles qui commençaient à perdre leur propre identité, et la création d'une nouvelle approche dans la compréhension par ces mêmes jeunes de leur propre patrimoine. Cependant, du fait que les activités sont présentées comme des activités en cours, l'organe n'a pas trouvé dans ce dossier d'informations précises, quantitatives ou qualitatives, lui permettant de vérifier leur impact. Par ailleurs, le dossier ne démontre pas l'impact d'activités essentiellement axées sur la documentation et la sensibilisation, sur la viabilité du patrimoine culturel immatériel et sur les capacités des communautés détentrices à y contribuer. De plus, bien que le groupe des populations nubiennes soit manifestement impliqué dans la mise en œuvre de ce programme, l'organe n'a pas trouvé suffisamment d'informations dans le dossier pour comprendre quelle est sa position et son degré de représentativité par rapport aux trois communautés nubiennes concernées. Dès lors, l'organe a considéré qu'il n'était pas en mesure d'évaluer la participation des communautés à la mise en œuvre du programme, d'autant moins que seuls les consentements de cette même ONG et de CULTNAT ont été fournis, mais que le dossier ne contient pas de traces d'une quelconque attestation de la part d'une autorité locale, coutumière ou traditionnelle, ou toute communauté. L'organe a également rencontré des difficultés pour évaluer l'aptitude du programme à servir comme modèle. En effet, si l'on trouve dans le dossier une série de déclarations prospectives visant à justifier son exemplarité, les activités n'y sont pas suffisamment détaillées, même celles qui ont démarré il y a plusieurs années et sont toujours en cours,
pas plus que leurs résultats sur le territoire même de mise en œuvre du programme. En l'état, l'organe n'a donc pas pu évaluer si elle serait reproductible ou inspiratrice dans d'autres pays à titre de modèle. S'agissant du critère P7, l'organe a pris note qu'un protocole de coopération a été signé entre les deux organisations impliquées dans la mise en œuvre du programme, mais il a considéré que les informations fournies dans la rubrique consacrée à ce propos relevaient de la conformité purement formelle aux critères et qu'en revanche, le dossier dans son ensemble ne fournissait pas suffisamment de preuves d'une volonté et d'un engagement réel de la part des communautés concernées pour le programme en tant que meilleure pratique de sauvegarde. Ni les informations fournies sur la rubrique dédiée à la susceptibilité d'évaluation des résultats, qui sont très brèves et très générales, ni celles sur les résultats qui ne font état que d'une base de données de quelques publications et des productions filmées dont on ignore et le contenu et le public visé, ne nous ont semblé suffisantes pour estimer que les activités menées et en cours ont produit des résultats pouvant être évalués à l'aune des objectifs que le programme s'est fixés. Comme pour les cycles précédents, les membres de l'organe ont été confrontés à la difficulté de savoir ce que signifient les besoins particuliers des pays en développement mentionnés au critère P9. Bien que les besoins de ces pays et les manières d'y répondre soient extrêmement variables, l'organe a essayé, dans son évaluation, d'identifier dans la proposition une méthodologie de sauvegarde transposable à d'autres contextes. En l'espèce, l'État parti s'est contenté de se référer à des outils, mais sans préciser lesquels, et de souligner le potentiel du programme à générer des revenus liés à l'artisanat et au tourisme, mais sans décrire comment ces bénéfices accompagnent la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. On a également observé que le programme repose principalement sur la numérisation des informations collectées, alors que en développement, le réseau électrique, notamment pour les communautés rurales, est déficitaire. Je veux dire même en zone urbaine. Si en effet, le processus de sélection des meilleures pratiques de sauvegarde n'exige pas que tous les critères soient satisfaits, ce dossier ne fournit pas assez d'informations ni d'arguments pour démontrer son exemplarité vis-à-vis des principes et des objectifs de la Convention. Comme nous l'avons fait pour les candidatures à la liste de sauvegarde urgente, nous proposons quelques paragraphes additionnels dans le projet de décision afin d'offrir à l'État parti des orientations en vue d'une éventuelle resoumission. Nous rappelons d'abord au paragraphe 4 que pour que la documentation soit une mesure de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, elle doit être pensée et mise en œuvre dans le but premier de contribuer à la poursuite de la pratique et de la transmission du patrimoine culturel immatériel à propos duquel elle réunit des informations. De même, pour que cette démarche soit une démarche de sauvegarde, elle doit être menée par et pour les communautés qui doivent en être les principaux acteurs et bénéficiaires. C'est le sens du paragraphe 5. Comme le mentionnait le rapporteur dans son rapport il y a un instant, on comprend que si un État présente une proposition au registre des meilleures pratiques de sauvegarde, il considère naturellement que son bilan est positif. Or, il ne s'agit pas dans le dossier de le déclarer, mais de le démontrer, et en ce sens, l'organe suggère qu'une évaluation des résultats du programme soit menée, notamment concernant leur contribution à la santé du patrimoine culturel immatériel en question. Enfin, étant donné que les meilleures pratiques ont vocation à contribuer aux efforts de sauvegarde au niveau régional, sous-régional et ou international, et que des populations nubiennes vivent en dehors des frontières égyptiennes, comme le dossier l'indique, l'organe propose d'inviter l'État parti à mobiliser, dans le cadre de ce programme, tous les acteurs de leur patrimoine culturel immatériel, et notamment les communautés elles-mêmes. Je m'arrêterai là, en espérant nos débats lors de l'évaluation de cette proposition. Merci, Monsieur le Président.
Thank you very much for the comprehensive overview of the careful evaluation of these files by the consultative body. The floor is now open to any committee members that would like to comment on the recommendations of the consultative body. Are there any objections to the draft decision as proposed? Can we have it on the screen? I don't see any comments. Egypt. No, sorry. No. So, can we proceed to the adoption? Approved. Please, now the floor. أولا يعني لابد أن أشكر الهيئة الاستشارية على هذا الفحص الدقيق للملف شأنها في ذلك شأن فحصها لكل الملفات وأعتذر عن الجهد الذي كلفناه للهيئة الاستشارية لكي تنظر في كل جوانب هذا الملف ونعد أننا سننظر في هذه الملاحظات التي أبدتها اللجنة الاستشارية إذا كنا سنقدم هذا الملف مرة أخرى لكي يكون نموذجا للعناصر الأفضل تمثيلا فقط جزئية صغيرة أنا كنت أستمع إلى الترجمة العربية للتقرير وهي ملحوظة موجهة للمترجمين فقد استخدموا مصطلح الشعوب النوبية Nubian peoples ونحن ليس لدينا شعوب نوبية هناك شعب مصري النوبيون يشكلون جماعة مصرية ولا أو شعوبا أرجو فقط أن نتنبه إلى خطورة استخدام مصطلحات غير دقيقة سواء في الترجمة أو في نصوص الملفات شكرا جزيلا مرة أخرى سيد الرئيس والشكر مجددا للهيئة الاستشارية على ملاحظاتها التي تعلمنا منها سواء فيما يرتبط بهذا الملف أو في غيره من الملفات شكرا جزيلا Thank you, Egypt. So let us proceed to the second proposal to the Register of Best Safeguarding Practices, which is the subject of Decision 7B2. Please, Madame Angui. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la deuxième proposition qui a été soumise par l'Espagne sous le titre « Méthodologie pour l'inventaire du patrimoine culturel immatériel dans les réserves de biosphère ». L'expérience du Mont Cenis. Excusez la prononciation. Lancé par le Centre UNESCO de Catalogne, une organisation non gouvernementale, le projet vise à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel d'une réserve de biosphère à travers l'identification du patrimoine culturel immatériel et l'élaboration d'inventaires. Entrepris en coopération avec des institutions et des intervenants locaux, il a donné naissance à une méthodologie d'inventaire fondée sur une approche participative impliquant la population du Mont Cenis dans l'identification, la documentation et la recherche de son patrimoine culturel immatériel.
Cette méthodologie peut être reprise au niveau régional et international et peut être utilisée dans les pays en développement. Le programme proposé consiste à diffuser une méthodologie d'inventaire adaptée aux réserves de biosphère à partir de l'expérience menée dans le massif du Montseny en Catalogne. En ce sens, il met en œuvre une des mesures de sauvegarde énumérées à l'article 2.3 de la Convention qui est l'identification du patrimoine culturel immatériel. Tel que présenté dans le dossier, l'organe a compris que le programme est pour le moment mis en œuvre au niveau national et sous-national et n'a donc pas encore fait ses preuves au niveau régional, sous-régional ou international dans le sens transfrontalier que l'UNESCO donne à ces termes. L'organe a cependant tenu à souligner son potentiel de contribuer à la coordination des efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à ces niveaux, à travers notamment le réseau du programme sur l'homme et la biosphère, dont le Montseny fait partie depuis 1978. L'organe a estimé que le critère P3 est satisfait dans la mesure où l'élaboration d'inventaires du patrimoine culturel immatériel dans les réserves de biosphère telles que promues par ce programme incarne une des mesures de sauvegarde mises en avant par la Convention, notamment à l'article 12. Par ailleurs, le programme est traversé par le souci de promouvoir le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés conformément à l'un des buts de la Convention et illustre l'interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine naturel comme le prône le préambule de la Convention. Considérant que les principaux résultats du programme sont une méthodologie d'inventaire du patrimoine culturel immatériel des réserves de biosphère et l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la réserve du massif du Montseny, l'organe qui a pu consulter en ligne ces deux ressources a conclu qu'elles constituaient des preuves suffisantes de l'efficacité du programme sur la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné. Avec environ 90 pages attestant du consentement et de la participation des communautés, associations, collectivités territoriales, centres de recherche et musées locaux à l'élaboration de l'inventaire, les membres de l'organe ont estimé que le critère P5 était satisfait. Ce programme répond au souhait de l'État parti de mettre son expérience dans l'élaboration d'inventaires au service d'autres États. Il a été conçu en tant que méthodologie et par conséquent, de pouvoir, notamment à travers le réseau du programme sur l'homme et la biosphère. Dans son évaluation du critère P7, l'organe, comme pour le critère précédent, a bien constaté que le programme s'appuie sur le désir même de diffuser sa méthodologie d'inventaire en tant que meilleure pratique de sauvegarde et il a trouvé dans le dossier des preuves suffisantes de l'engagement des gouvernements provinciaux et des mairies pour ce faire. Cependant, il s'est étonné d'une formulation dans le dossier qui mentionne la non-nécessité d'impliquer les communautés qui ont pourtant participé dans l'élaboration de l'inventaire, dans la diffusion de la méthodologie. C'est pourquoi, au paragraphe 5 du projet de décision, l'organe suggère que le comité invite l'État parti à réenvisager le rôle des communautés dans ce cadre. L'organe a bien pris note que la Fondation Biodiversité du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement d'Espagne a évalué positivement ce programme. Cependant, étant donné que c'est cette même institution qui a financé le programme, l'organe souhaite rappeler, comme dans le cas de la proposition que le comité vient d'examiner, l'importance de mener des évaluations indépendantes. Comme pour la proposition précédente, l'organe s'est senti un peu démuni face au critère P9 et la possibilité de se rapporter aux besoins particuliers des pays en développement comme à une réalité unique et homogène. Cependant, il a estimé que du point de vue des coûts, des mécanismes de participation des communautés et de l'appui institutionnel, l'expérience d'inventaire du Montseny pourrait être repliquée dans des pays en développement pour qui elle aurait déblayé le terrain méthodologique avant qu'ils s'engagent dans l'élaboration d'inventaires en ligne avec les principes de la Convention.
Dans l'ensemble, l'organe a estimé que le dossier de cette proposition contient suffisamment d'informations pour conclure que le programme reflète bien les principes et les objectifs de la Convention. Or, comme on le sait, cela ne signifie pas que tous les critères aient été satisfaits. Nous proposons d'ajouter des paragraphes additionnels au projet de décision. D'une part, l'organe considère que l'État partie peut être félicité par cette initiative qui illustre les liens entre le patrimoine culturel immatériel et le développement durable. Cependant, en vue de la diffusion de cette meilleure pratique par le comité, l'organe estime que les étapes concrètes suivies pour aboutir à la méthodologie d'inventaire méritent d'être mieux détaillées, notamment concernant la participation des communautés dans ce processus et non pas seulement dans l'établissement de l'inventaire lui-même. Comme pour la proposition précédente, l'organe souhaiterait insister sur la valeur ajoutée des évaluations indépendantes qui, en l'occurrence, devraient porter sur l'efficacité de la méthodologie. Enfin, le comité souhaitera peut-être encourager l'État parti à réaliser son intention de coopérer au niveau régional ou international dans le développement de programmes similaires. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. The floor is open now to state members of the committee that might wish to comment on draft decision 7B2. I see Belgium. Thank you. The program of inventorying intangible cultural heritage in biosphere reserves, and in particular the experience in Montseny in Catalonia, is certainly very interesting. It can be an incentive and inspiration to combine several UNESCO programs. And it was an excellent initiative and project of the UNESCO Center in Catalonia, as we can also see in the film. We have checked the website of the UNESCO Center in Catalonia that is mentioned several times in the file. And now we understand why the past tense is used in the file when the UNESCO Center in Catalonia is mentioned. Apparently, the center is no longer structurally financed since 2012. And we hope that this should not raise concerns and that the Director General of Popular Culture, the government of Catalonia and Spain, will further develop the program and share the results with the rest of the world and ensure that the information available on the website of this organization that apparently is no longer financed will be continued. So we encourage the state party to further develop this very interesting program and to share the experience with the rest of the world. Thank you. Thank you, Belgium. Nicaragua, please. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros en Nicaragua hemos estado trabajando una iniciativa para incluir en el sistema de geoparques de, auspiciado por la UNESCO un parque nacional que es el Parque de Somoto. Hemos estado viendo la manera de cómo formular la propuesta para que sea incluido y con satisfacción y con alegría y con agradecimiento a la vez a España y en particular a Cataluña, encontramos esta metodología para los inventarios que nos parece que ha sido muy apropiada. En tal sentido yo creo que pues quiero felicitar a España por este aporte, ya que su experiencia efectivamente va a tener algún impacto a nivel internacional. Y Nicaragua va a ser un ejemplo de esto. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Brazil. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Brazil would like to commend Spain for submitting this program, this methodology. And it comes in a very interesting period of UNESCO when it's trying to find synergies between the different activities that it does, and especially more transversal actions. So this is very interesting because it deals with the MAB program of UNESCO. And
So we fully support, of course, but we just would like to that the Secretariat take, we're not going to propose an amendment, but that the Secretariat take note that this should be sent to the MAB program and perhaps shared with the whole network of biosphere reserves, because then other biosphere reserves could perhaps apply this methodology. Thank you. Thank you. I can feel the full appreciation of the file and proposal, so I propose to approve the nomination. Approved. Congratulations, Spain. Please, I would like to give the floor to the Spanish delegation, please, for 2 minutes. Gracias, presidente. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte agradece de veras este informe del órgano consultivo y los elogiosos comentarios que hemos recibido por parte de los miembros del comité. Como ven, esta manifestación se enmarca dentro de la línea iniciada por nuestro país de relacionar el patrimonio cultural con material con el patrimonio inmaterial, como ya presentamos el año pasado con la iniciativa de la Fiesta de los Patios de Córdoba. En este caso, vinculamos el patrimonio material con el patrimonio inmaterial natural. Con la voluntad añadida, como ha quedado puesto de manifiesto por el extraordinario informe del órgano consultivo, de que sea una herramienta que sirva no solo dentro de nuestro país, sino que pueda ayudar a realidades similares que se encuentren en otros países. En todo caso, quiero dar la palabra al representante de la comunidad que está con nosotros. Es el director general de Cultura Popular de la Generalitat de Cataluña. Gracias. Muchas gracias a la delegación del Gobierno de España. Agradecer también a todo el comité de UNESCO vuestra atención. Queremos agradeceros, sobre todo, el que este programa haya llegado a esta declaración el día de hoy por dos motivos. Uno de ellos, porque en el año 1993 el Parlamento de Cataluña aprobó ya una ley en que en su artículo 5 obligaba al Gobierno de Cataluña a realizar el inventario del patrimonio etnológico de toda Cataluña. Por tanto, que estos 20 años de trabajo que llevamos realizando, de realizar el inventario del patrimonio etnológico, sirva ahora para que la UNESCO pueda facilitar, colaborar en otros sitios donde pueda ser de uso esta metodología, es para nosotros el más alto y el más grande reconocimiento. Tenemos también recientemente una nueva declaración de biosfera en Cataluña, que es las Tierras del Ebro. Las Tierras del Ebro son cuatro comarcas que acompañan al río más importante de Cataluña a su llegada al mar, en la desembocadura, y por tanto también el compromiso de nuestro Gobierno en empezar a aplicar con esta misma metodología el nuevo inventario en este nuevo espacio de la Reserva de Biosfera. Por tanto, agradecer a todos ustedes su trabajo, porque la ingente y titánica labor que se realiza desde aquí para ayudar a salvaguardar el patrimonio cultural intangible es enorme. Muchas gracias a todos. Thank you very much. So, as we announced, let us return to the overall decision 8.7b. Given the small number of proposals that we had to examine, it is undoubtedly challenging to draw general conclusions. It was proposal by Latvia, as far as I remember. So, please. You just say the amendments to the text. Thank you, Mr. Chairman. So we would like to suggest in paragraph 4 of the draft decision to delete the words "to present convincing evidence" and just leaving the further that continues like "demonstrate the pertinence of the program." And this goes back to the commentary that we gave previously, as we find it difficult to agree on this approach, as the convincing evidence previously described in the document gives direct reference to external evaluation, and we find there the difficulty. And to agree on that principle as applied for safeguarding practices. Thank you. Thank you. I think that we can approve such kind of definition. So
we have the decision. Japan, please, Japan. Well, thank you, Mr. Chair. Concerns were expressed about the low number of the best practice register. So I hope to include a new paragraph between paragraph 3 and 4 in line with paragraph 7 in the draft decision of 8.7. The new paragraph reads as follows. Notes with concern the limited number of proposals to the register of best safeguarding practices and reaffirms the importance of the capacity building of the state parties. Thank you. Thank you, but we can do the same thing in the final decision of the 7B in general. Now we are 7 in general, so we are here in 7B. Do you insist to have this paragraph here, or you want to have it in the full cover the umbrella decision on B, on 7? Thank you. Some of the sentences are included in the overall decision, but for example, we haven't decided, discussed yet, but in 7C, the similar sentence yes. was included. So I hope that we put the so, same paragraph okay, in the thank you. Each thank decision. You. Thank you very much. If delegates and the members of the committee don't mind, we can approve in this version the draft in common, in general. Okay? So approved. Thank you very much.